prénom? Cédric. Kylian. Kylian. Ouais, presque. C'est qui Cédric? Cédric Doumbé. Ouais, Doumbé, ça doit être ça. C'est toi? Kylian, Kiki. Je vais l'appeler Kiki. Ouais, c'est ça. Kiki pour les intimes. Kiki pour les intimes. Les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est un test que moi j'attendais depuis un moment. Je sais pas si toi tu l'attendais, toi, Axel. Bah oui, quand même. Je pense que les abos, vous l'attendez pas mal autant. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Reprends, c'est pas grave, reprends. Non, reprends, y'a pas de bon bref, brother. Les abos, je pense que vous l'attendez depuis pas mal de temps. MT10, vous savez que moi j'en ai eu une. Axel en a eu une aussi. On a eu les années de coup 2016-2020. Moi j'ai eu la 17 et toi t'as la 2020. 20, et je crois que ces modèles-là ils s'arrêtent en 2021, je crois. C'est ça. Et après ils ont fait MT10 phase 2. Donc 2022, 2023, 2024, je pense que c'est les mêmes. Hein, y a pas, c'est les... Ouais, c'est les mêmes. Ouais, je pense aussi. Kylian, c'est un gars du Sud qui est propriétaire du coup de cette petite MT10 SP. Non, et, c'est pas une SP. Non, c'est pas une SP. Normal. Normal, SP, c'est peut-être en projet. Bon, frérot, il faut arrêter la bouteille. Ah ouais, non, mais là, frérot. Il est malade. Il faut arrêter la bouteille, là. Bon, pour ma défense, je suis un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Il fait pas super beau aujourd'hui. Et les mecs du Nord, ils doivent nous insulter. MT10 2022. Kiki, parce que c'est un intime maintenant. Ça va, tu vas bien? La forme. Ça va, tranquille. Le collègue, il va te mettre un kiki, frérot. Ouais. Il a les bras, c'est la taille de tes cuisses, frère. Ouais. Putain, c'est vrai qu'il est costaud, le collègue. Putain. Je fais le malin, mais... Que de la gonflette, les gars. Ouais. Écoute, t'es le propriétaire de cette petite MT10. J'imagine que t'as déjà pu voir un peu les tests qu'on a pu faire. Ouais, je vois. Tu vois un peu comment ça fonctionne. Nous, on aime bien parler du proprio, un peu ton passif, ce que t'as eu, ce que t'as pas eu, tout ça. Ensuite, parler un petit peu de la moto. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la mienne qui est là. Du coup, on va pouvoir un peu comparer les deux niveau esthétique à la présentation. Et après, le but, c'est de rouler et de voir un peu les différences à ce niveau-là. J'ai acheté ça parce que. Déjà, toi, un peu. T'as quel âge? Ouais, présente-toi un peu à la chaîne. comme sur Tinder, c'est ça? Ouais. Oui. Tu fais ton ouais, ouais. Tinder sur la grande. Voilà, je m'appelle Kylian, Kiki. 23 ans. Et 1m85. Non, 1m75. Non. C'est toi qui es grand. Il fait pas 1m75. Ouais, on dirait 75. Qu'il est un peu plus grand. Hein. Ah ouais? C'est toi qui es grand. Bah, arrête tes conneries. Ah, là, t'es grand. Oui. Ah, frérot, tu lui mets une grosse tête. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, je te mets un bras. À quel âge? 23, il vient de te le dire. Ok, j'avais pas entendu. Oh frérot, il faut vraiment arrêter de boire. Il faut vraiment que. Vraiment! Je m'arrête de parler. Vas-y, je t'écoute. 23 ans et propriétaire de cette MT10, du coup. C'est ça. J'ai commencé la moto à 18 ans. Hein. Dès que je pouvais passer le permis, je l'ai passé. Sur un petit 3,98, j'ai fait pendant 2 ans. Passé sur un 7,5 GSXS. J'ai gardé 6 mois parce que le 4 cylindres en ligne. Pas plus du tout. En bridé, ouais, tu l'avais ou pas? Non, en full. Ah, t'as fait ton full à deux avec la 390? Voilà, c'est ça. Putain, c'était long, non? Bah, c'était long, mais je voulais rester sur un moteur où je pouvais exploiter à fond, ouais, en fait. Ça, c'est vrai que si donc, tu compares un 0,7, tu peux vraiment lui mettre dedans. Voilà, et... c'est ça. Et puis, au moins, maniable, c'était léger. Bon, ouais. Pour commencer, c'était top. Ensuite, je suis passé sur le 7,5, que j'ai pas full. Trop apprécié. Voilà. Et après, je suis passé directement sur un 12,90, mais les V1, les premières générations. C'est quoi, c'est 2016? Ouais, c'est ça. C'était une 2016. Ouais. C'était des bonnes machines, mais ça restait un peu saucisse, non? Ouais, mais encore, ça va. Après, je suis passé sur un 12,90 le V3, une année 2021. Donc, j'avais acheté à CTM. Je l'ai acheté neuf avec la ligne à crapaudier, carto, tout bordel, ouais. Et tout. Je l'ai gardé pendant un an et demi, presque deux ans. C'était une super machine, tout ça. Et après, j'ai voulu changer. Et sportive. Sportive. Je me suis dit, voilà, R1. R1 direct. Et j'avais hésité avec le CBR, le triple R. Je me suis dit, non, R1, je préfère pour avoir un peu plus de coupe. T'avais déjà essayé le CBR avant de prendre le R1? J'avais pas essayé le CBR, mais ce que j'ai entendu, c'est que ça tire super long. Ouais. C'est cru en bas. En fait, sur route, tu te fais chier, on va dire. Ouais, c'est ça. Il faut que tu fasses un moins 2 pour essayer d'avoir un truc. Et le 1, ça reste un crossplane, donc c'est quand même assez... joueur. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais partir sur ça. Donc, ouais. J'ai eu le R1 juin, donc ce juin ici. Ouais. J'ai gardé pendant jusqu'à octobre. Et en octobre, je me suis fait voler... Péter dans la maison. Volé. Voilà, ouais. Dans le garage. Dans le garage. Super. Donc, Lavandou. Ah ouais, la d'accord. Il y a des vendeurs, des voleurs au Lavandou. Il y a des voleurs partout. Il y a des arabes partout. voilà, oh la balle perdue pour ces. On est pas des arabes. Ça, tu mets pas quoi. C'est sûr que vous jouez. Eh bah là-bas. Les arabes. Non, en vrai, ça va. Un arabe qui dit les arabes, ça va. C'est, ouais, c'est possible. Je l'ai acheté donc hier. Bah, le week-end dernier. Ok. Ouais, je l'ai acheté le week-end dernier. Mais elle est rodée au moins. Oui, elle a 1000. Elle est 1400 bornes. Tu l'as acheté neuve? Non, même pas, je l'ai acheté, elle avait 1090. Ça fait une semaine et demie dessus là. Ouais. Mais combien tu as payé ça? Je l'ai payé 13,300. Mais non. C'est 2022. Tu as payé combien la tienne? 13,200, 4000 km. Ah, c'est ça. Elle était un peu équipée, tu vois. Ta gueule. Elle était un peu équipée. Il y a quoi? Vas-y, dis-moi. 2000 lignes, ça vaut le moteur. Ok. Ça. Comment ça doit jouer?
commande reculée et ressort Rollins. Ressort Rollins 300 euros, commande reculée 250. Après, vas-y, dis-moi. 2000 lignes. 2000 lignes, 500 après. D'accord. Il y a 1000 euros d'équipement, oui, deux d'accord. ans de moins, au moins dernier millésime. Sur la facture, la ligne elle fait 1000 balles. Allez, bon. Ça va. Mais bon, ça va. La bise sur enfin, tes bref. Fesses. Ok, donc 13 000. Mais c'est vrai ouais, que cela coûte moins. Oui, que les anciennes. Effectivement. Là, je t'ai envoyé l'annonce de mon cousin hier. Oui. Elle fait mal aux yeux, ouais. Elles sont moins sexy, elles coûtent un peu moins, quoi. Combien tu payes en assurance là-dessus? Je paye 125. En tout risque. En tout risque plus le maximum. Ouais. Tu es chez Zenassure. C'est quoi une c'est un courtier de... Ouais, MMA. C'est ok. Ça. Bah après, normalement, je devais payer moins cher, mais parce que j'ai eu deux sinistres déjà par rapport au vol. Et un que j'ai fait, on a failli une femme qui m'avait coupé la route au stop avec le Super Duke. Bah, pas de ma faute, hein, mais bon, tu prends toujours des sinistres non responsables. Donc deux sinistres non responsables. Ah bah maintenant, en vrai, les assurances, que ce soit responsable ou non responsable, ça compte dans le sinistre, ils s'en tartinent. Même si c'est juste 20 euros à l'année, mais c'est toujours ça, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, voilà, je payais moins cher sur le Super Duke. Pourtant, la machine est beaucoup plus chère. Pourtant, la machine est beaucoup plus chère. Ça veut rien dire. C'est pas mais c'est peut-être plus accidentogène le 10. C'est par rapport aux stats. Hein. Que le. Ouais, tu sais que les assurances, c'est des stats. Hein, c'est ouais, des je sais. Sais. Mais c'est ça. Quand j'ai voulu faire assurer le R1, je paye 235 euros par mois. Bah ouais, moi 215. Mais bon, je suis pas domicilié à la Vendôme, moi par contre. Moi, je suis domicilié à Marseille. À Marseille. Ah ouais. Là où les Arabes volent. Moi, je vais arrêter parce que frérot. On fait un petit peu le tour de la moto. Allez, c'est parti. Elle est d'origine. T'as quelques trucs un peu sympas. Bah là, à part le pot, elle est toute d'origine en fait. Ouais. Donc, je l'ai eu que ça fait qu'une semaine que je l'ai. Donc, là, je l'ai acheté, elle avait déjà le pot. Oh, mais Kata quand même. Bah, est-ce Kata, que tu ne gardes pas le pot du coup, tu changes tout? Oui, alors là, par là, j'ai commandé la ligne du coup, comme j'ai dit, j'ai commandé la ligne. Et en fait, bah, juste pour une pièce à la con, bah, je dois attendre. Bah, en fait, c'est ça qu'ils ont oublié, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah, c'est, ouais. Et tu veux prendre quoi? Tu veux prendre quoi comme ligne? J'ai commandé une. Frérot, si t'as des outils, sers-toi en vrai. Comme la mienne? Non, ben, je sais pas, Audemars, ils m'ont commandé la ligne, une ligne pour R1 en fait, en gros diamètre. Donc du coup, ils vont me poser ça dessus. C'est quoi, c'est une ligne complète? Juste la demi-ligne avec les collecteurs? Tu prends quoi? Bah, je crois que c'est un peu comme toi. Donc demi-ligne? Ouais, demi, je crois qu'il y a trois quarts de ligne même, je sais pas. À 1005, j'espère que si c'est une Spark, j'espère que c'est une ligne complète. Hein. Je crois que c'est une ligne complète. J'espère, hein, en titane, à 1005, j'espère que c'est une ligne complète. Moi, elle m'a dit ligne complète en titane. Donc, ouais, après, écoute, on va voir. Ah oui, et ce qui est rigolo, dites-nous en commentaire s'il vous plaît, parce que ils t'ont obligé à acheter la ligne chez lui. Et elle a monté chez Yamaha, pour qu'il garde la garantie. Ça, on en a parlé, tout le monde en a parlé, c'est totalement interdit. C'est ce que je t'avais dit. Ça, c'est totalement interdit. Message. Ça veut dire que d'un point de vue règle, enfin, c'est des. En fait, si tu le fais, par exemple, demain, on fait la ligne avec Andy et moi, on n'est pas des professionnels de tout ça, ils peuvent te faire péter la garantie. Maintenant, tu vas la faire dans un garage qui a agréé, garage, tout ça. En aucun cas, ils ont le droit de te faire sauter la garantie. D'accord. Simplement, okay. En fait, ils abusent sur ça, je trouve, pour garder les clients chez eux. C'est ça. Mais répondez en commentaire. On pense que c'est ça. On pense clairement qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, mais. On a un petit doute, donc si vous avez les réponses, venez le dire en commentaire. Mis à part la ligne, rien de plus. Ça fait deux semaines qu'il a, donc il a pas encore changé grand-chose. Ça fait une semaine, donc après j'ai des projets, donc j'ai beaucoup de projets. Tu comptes faire quoi? Je compte faire j'ai un gros projet pour le coffret, réservoir, tout ça, pour qu'elle sorte un peu de... Pour qu'elle soit unique en fait. T'as pris une option sans rétroviseur? Ouais, c'est ça, ouais, mais j'aime pas trop les rétro. C'est laid. Mais sinon, ouais, bon après j'ai mis des rétros en bout de guidon. Bah regarde, ça, en vrai ça finit bien la moto hein. Bah moi si tu, si tu prends celui qui l'a NG, franchement, c'est vraiment pas choquant par rapport. Ouais, ils sont même encore plus petits, après moi je suis plus en dessous. Ah ok. Voilà, donc, moi je vois rien en dessous. En plus t'es très grand. Ouais, voilà, donc en dessous je vois rien. Niveau moteur, est-ce que c'est les mêmes? Toi tu sors combien de chevaux sur celle-là? D'origine 170. Ah ouais, ouais. Ah, il y en a un peu plus? Il y en a un peu plus, ouais. Okay. D'accord, ok. Apparemment, la grande différence... Le freinage. Ouais, c'est freinage et participe. Ouais. Bah, c'est vraiment... Et la différence esthétique. Dites-nous, les gars, en commentaire. Laquelle vous préférez, les gars? Mais c'est vrai que cette face avant, là... Faut aimer. Bah, franchement... Vas-y, dégage toi, Andy. Tu vois, tu t'y habitues, mais... Après, moi, je préfère la face avant de... Bah oui, frérot, genre... C'est vrai que le look de la 17... Tu vois ça dans le rétro, tu vois ça, c'est... Genre, c'est fat, tu vois. C'est beau, c'est... Et c'est pour ça que les gens kiffent celle-là, parce qu'elle a vraiment genre... Genre l'ADN MT10, c'est cette face avant, quoi. Par contre, pour tirer une balle sur Yamaha, moi qui suis là, et qui viens de... C'est le klaxon. Mais les gars, mais vraiment... Mais finissez vos motos, vous les finissez avec le cul, hein, les Japonais. Hein. C'est scandaleux, non mais vraiment, c'est minable. Bah, c'est les punitions Yam, c'est connu, quoi. Ouais, mais c'est vilain. Ouais, la moto, elle fait... Sur le 09, ils font pareil. Ouais, non mais c'est... Mais surtout, en plus, je suis convaincu que c'est pas plus compliqué de le cacher un tout petit peu. Ça prend juste peut-être quelques minutes de plus.
plus à la confection ou. Enfin, bref, c'est vraiment pas beau. Ouais, donc bon, dans tous les cas, moi j'ai prévu l'enlever parce que je m'en sers jamais. Viens voir aussi, il y a cette différence. Le réservoir, c'est vraiment pas du tout le même. C'est pas du tout le même. Pourquoi là, tu dis ça? T'as deux aérations. Ah oui, effectivement. Que t'as pas ici. Ah oui, toi, les aérations, tu les as. Ah non, tu vois, là ici. Ensuite, tu vois que là, il n'y a rien. Moi, j'ai ça. Ouais, effectivement. Après, au niveau de la forme, c'est la même. Ça m'a l'air d'être la même. C'est la même. Le cadre, tu sais si c'est le même ou pas? Je pense qu'il change un petit peu. Après, moi, j'ai une écope là que toi, t'as pas. T'as là. Une écope que lui n'a pas. On parle du coup de ça. S22, pneu d'origine. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a les mêmes pneus. Donc ouais. Ça sera... ouais, on a quasiment les mêmes pneus à une vis près. J'ai un clou dans le pneu. Non, les grosses différences. Bah, de toute façon, ça va vraiment se ressentir sur la route. Donc ouais. Freinage qui est amélioré sur... Ah, il y a ça aussi, viens voir. C'est ce compteur-là. Compteur de l'air. Ah, bah oui. Moi, c'est encore un vieux compteur noir et blanc. Même pas noir et blanc, gris et noir. Alors, en fait, c'est le même compteur que toi. En fait. C'est pas le compteur de l'air. Bah, si, c'est le compteur sauf, l'air, hein. C'est le compteur de l'air, hein, sauf que t'as pas les mêmes options que sur l'air. Ouais. T'as pas la même électronique dedans. C'est tout simplement le compteur du MT-6B. Ouais. Oui, non, mais tu sais que tous les... Parce que le même compteur. Oui, mais les Yamaha, les Tracer 9GT et tout ça, ils ont ces mêmes compteurs-là. Enfin, pas les nouveaux. Mais les anciens, ils c'est ont ça. C'est vrai que le tien, il commence à faire un peu vieux. Ça commence à faire vieillot. Le tien, il commence à faire un peu vieillot. En 2020, bah encore les 2021, ils ont ça, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, ils sont tous passés au TFT. Et niveau électronique, du coup, t'as quoi comme peu en différence? C'est pareil que toi, en fait. Après, t'as. Mais tu vois, ça, moi, c'est délire. Moi, je kiffe ça. Réglage, t'as quoi? Donc, t'as un mode A. Ah oui, bah, c'est mode ça, c'est A, comme B, l'heure. Alors. C'est comme l'heure, hein. C'est mode A, B, C, D, c'était différents modes. Voilà, c'est ça. Donc, okay. Avec tes modes, bah, tu choisis. Donc, après... t'as power 1, 2, 3, 4. Moi, j'en ai que 3, tu vois, de power. D'accord. J'ai mode 3, 2 et 1. TCS, toi, t'en as 5. Moi, j'en ai 3. Sachant qu'il y en a un qui est, c'est la pluie, donc tu n'y es jamais dessus. Ouais. CSS, c'est traction control, c'est sur l'angle. Non, c'est le slide. C'est quoi CSS? CSS, ah, je me rappelle. Je crois que c'est la glisse ou un truc du genre. Je sais pas, moi je l'ai configuré avec le manuel et avec Brandon. Mais ça, pareil, j'ai fait pareil. Ça, moi je l'ai pas. Quick shifter, ouais. Up. Ah, t'as shifter up et down. Ouais. Heureusement, je sais pas, moi j'ai t'as que le up. T'as que le up, ouais. Moi j'ai que le up. Ok, ah, ça c'est trop bien. C'est l'anti-wheeling, ça. Tu peux séparer le TCS et le lift. C'est ça. Enfin, et le lift. Mais alors, par contre, le TCS, au début, je le mettais sur 2-3, mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand tu es sur la roue arrière et que tu commences à prendre une certaine vitesse et un certain angle, ouais. T'as le TCS, voilà. Et ça, je l'ai fait une fois, j'ai dit, tu sais quoi, je le mets à et rien. Et tu poses la roue quand même ça te satalise. Ah, mais tu vois, par exemple, venez voir. Attends, on termine, après, je compare. Engine brake, frein moteur, tu peux régler ton frein moteur. Moi, je peux pas le régler. Et BC, tu sais, c'est quoi? BC, non, Big Cock. C'est quoi BC, tu sais pas? Je me rappelle plus, franchement, okay. Je sais pas. Comme je t'avais dit, je l'avais fait avec le manuel, mais je me rappelle plus. Ok. Ça, tu vois, ça, c'est vraiment sympa. Allez, montre-nous un petit peu les... Moi qui suis un peu geek, tout ça, j'aime bien les écrits. Enfin, t'es un peu geek, toi? Moi, c'est très simple. Voilà, c'est tout. Voilà. Ça va juste changer ici, regardez, les gars, du coup. Mode 1. C'est ici. Hein. Voilà, ça, c'est mes modes. Voilà. Et ensuite, j'ai mon TCS. Ici. Voilà, c'est bon, on a fait l'électronique GMT. Mais ça veut dire que moi, par exemple, moi, je veux faire un wheeling et je veux garder mon TCS. Je peux pas. Il faut que je désactive mon TCS pour désactiver le leaf. Parce que c'est couplé. C'est... Alors que là, c'est sympa d'avoir fait ça, je trouve. T'as un régulateur de vitesse sur celle-là? Ouais. Régulateur de vitesse ici, là. Ok, ouais, comme moi. J'ai un truc. Oh, il a hyperé tous les collègues. C'est le klaxon. Ok. Ah, tu vois, t'as un mode track. Enfin, lap time, t'as ton chrono quand même. Ah oui, t'as le. Oui, là, t'as de quoi faire de la piste avec, quoi. T'as track mode. En fait, et après, t'as. En gros, quand tu rentres. Normalement, ça te sort le. Je me rappelle plus comment on fait, mais ça te met le compteur. Ah, le compteur circuit, en fait. Ouais, voilà, avec le contour qui commence à 6 ou 7. Voilà, mille. C'est ça, c'est exactement pareil. Okay. Ça, c'est bien, tu vois. Alors que moi, ouais. Non, y a rien sur celle-là. T'allumes le moteur et c'est fini. C'est tout, c'est tout. Là, en une semaine et demie, qu'est-ce que tu kiffes et qu'est-ce que tu kiffes pas? Alors, une semaine et demie, ça fait plus de temps parce qu'on m'avait prêté un MT-10 bleu. Ouais, que ouais, t'avais que vu en story. Voilà, sur la vidéo. Bah, c'est pour ça que j'ai acheté celle-là parce que c'est polyvalent et tout. Et puis, pour faire des roues arrière, c'est fun. C'est le côté rigolo. Ouais, de la voilà, moto c'est fun en fait. Roues arrière, même changement d'angle, tout ça, c'est cool. C'est pour ça que je suis parti dessus. Après, je savais pas où partir d'autre. J'avais hésité avec
avec le tout nouveau V4 chez Aprilia. Tu l'as déjà essayé? Non, je l'ai jamais essayé. Après, incroyable. Après, là, c'est le Hongji, mais je suis pas très fan italien. Je suis pas trop... Ne l'essaye pas, sinon tu vas vouloir vendre ça là. Ah vraiment? Ah oui, non, vraiment. D'accord. mais vraiment. On te dira après l'avoir essayé. Donc les amis, pensez à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On te dira après l'avoir essayé, mais franchement, ils ont mis la barre trotte. Ah ouais? En termes de roadster, ils ont mis la barre trotte. C'est un châssis de sportive. Ouais. Mais avec un guidon street. Voilà, un guidon large, un moteur, t'as du coup plan bas au milieu, en haut, t'as un bon freinage. Franchement, tu vois là, par rapport au M1000R, j'hésiterais. Ah ouais? À notre ouais. niveau, bien évidemment. Oui, oui, j'hésiterais. Parce que Tiono, vraiment, c'est con. C'est trop con. Bon, après, de toute façon, c'est ce que je comptais partir sur un tonneau après celle-là. En général, les motos, je les garde un an et demi, deux ans. Après, ouais, après tu pars trop dessus. Donc, c'est ton daily ou tu la prends juste pour rouler Non, je roule que le week-end. Le week-end, je roule et puis voilà, je m'amuse avec. Mais la semaine, non, je roule. T'as besoin de rajouter quelque chose? Ah oui, qu'est-ce que peut-être tu lui reproches à la moto? Le freinage. Ouais. Voilà, le freinage. Monsieur, faut te dire, ça freine pas. Ouais. C'est pas ouf, quoi. Mais vous imaginez qu'il dit que le freinage sur celle-là, les bidons, alors que ce freinage-là est beaucoup mieux que celui-là. Et pour vous dire à quel point le freinage de la MT10, c'est bidon. La selle, c'est une selle d'origine? Ouais, celle d'origine. Elle est très belle d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. En fait c'est le revêtement, c'est pas la même que celle d'origine. Mais niveau confort, regarde. Petit sponsor, moi je me suis fait faire une selle confort. Hein. Monte dessus, tu vas voir. C'est Gessellerie, c'est pour toi ça. C'est raide hein. Ah, des conneries un peu. Non, je rigole. Non, franchement, elles sont... Bon, ça va. De toute façon, après, on va monter sur les deux. C'est pas pour placer le collègue, machin, tu vois. Mais moi, c'est mon daily, tu vois, genre la moto, je roule tout le temps avec. J'ai changé ma selle, je revis. Ah ouais? Mais je revis. Après, toi, tu roules que le week-end, tu vois. Ouais, mais après, ouais, c'est pour ça. Moi qui suis tout le temps sur la moto. C'est nécessaire. Ouais, c'est vrai que tu roules beaucoup, toi. Après, ouais, c'est. Je sais pas si toi, tu avais comme projet de faire une selle. Non, même pas. Je roule que le week-end. Et même quand je fais des balades de 400 bornes. Ouais, ça va. Ça va. C'est juste les jambes. Mais donc, la selle, non, j'ai pas. Peut-être pour l'esthétique, à la limite, pourquoi pas. Mais pour le moment, non. On va s'équiper. Même si on est déjà parce qu'il fait froid, du coup, voilà. Et on va rouler, on va essayer ça. Et j'ai hâte. Cette vidéo, ça va être ça. Putain, ça va être sûr. Allez, à de suite. Mais t'es un génie, toi! Pas fait exprès, pardon. J'ai encore pas fait exprès, pardon. Ah, depuis le temps que je voulais la test. Ah, le petit MT10. MT10, ça fait des wheelings. Les frérots, on se retrouve sur la petite moto. Un énorme merci à Kiki qui nous fait un plaisir, un honneur de rouler sur sa petite moto. On chauffe les pneus tranquillement. Oh frérot, le freinage, rien à voir. Hein. Mec, le freinage, tu vas voir, c'est rien à voir. Et le shifter down, ça fait bizarre. La poignée, je sais pas si c'est une poignée électronique ou pas. Et c'est pas du tout la même moto déjà. Le freinage, il est trop bien, enfin trop bien. Il est pas trop bien, mais c'est tellement différent. Et ça freine tellement mieux. Ça freine bien mieux que le tien, quoi. Ah, mais beaucoup, beaucoup. Incroyable, MT10, les gars. Et là, ça lève encore. Ah, c'est la régalade MT10. Oublie pas qu'il y a le down, brother. Et ouais, t'inquiète, je l'utilise. Ah, le kangourou. Mets-toi à côté de moi en wheeling, ça part en wall, ça part en wall. Il y a du vent, en fait. C'est pas pareil, elles sont vraiment différentes les motos. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas pareil. Ouais, je veux bien. Mets-toi là-bas, en vrai. C'est deux motos différentes, hein. Ah ouais? Ça a rien à voir. C'est la même philosophie parce que bah, MT10, voilà, c'est le même modèle. Mais putain, c'est pas du tout les mêmes motos. Les commandes reculées, moi je t'avoue qu'elles me manquent un peu. Et tu vois, par exemple, regarde le calepied arrière, regarde, je vais en toucher. Parce que moi après j'ai des pieds de géant. Ouais, mais tu vois, je viens à toucher et je suis même pas sur la pointe des pieds. Là, je suis sur la pointe des pieds, tu vois, ça touche. Ouais, j'ai compris. Voilà. T'es parti mon kiki? Ha ha ha!
vraiment mieux. La différence, tu la sens. C'est beaucoup moins spongieux, on va dire. Putain, ce moteur, je kiffe. Oh, t'imagines quand j'arrive en fond de gaz avec 160 chevaux, ça me fait plus rien. Genre vraiment, genre c'est incroyable comment le corps humain peut s'habituer à certaines sensations. Putain, ça marche fort. La baisse, il se déclenche trop tôt. Il se déclenche beaucoup trop tôt. Je fais pas des freinages forcés. Je fais pas du tout des freinages forcés. Mais la baisse, il se déclenche beaucoup trop tôt. Ah, c'est chiant ça. La partie cycle, elle est beaucoup mieux. Tu sens l'arrière en fait qui est beaucoup moins. Beaucoup moins volatile. Beaucoup moins. Ah ouais. Au niveau moteur, est-ce que tu as une différence dans le. Dans le comportement de, de ouais, la moto, tu sens que ça marche un peu mieux, ça marche un peu mieux. Ah ouais. C'est pas, c'est relativement la même chose, mais la différence tu la sens un petit peu quand même. C'est pas waouh, mais franchement, c'est pas la même moto. Il y a un petit plus quoi. Voilà, niveau moteur oui. Okay. Ben, en bas ça reste le Kangoo quoi, MP10 classique. C'est pas un 4 cylindres comme comme chez BM où là tu peux tirer vachement long. Et ouais, niveau moteur, tu sens la diff. Freinage, tu dis que c'est nettement visible aussi. Ouais, mais tu vas voir, hein, tu vas t'affoler. Et niveau châssis, c'est beaucoup mieux. En fait, l'arrière est beaucoup moins... Il s'écrase peut-être moins, un peu moins. Il est moins hésitant, on va dire, à l'arrière. Et le travant est mieux. Le travant est beaucoup mieux. Mais tu vas voir que même au niveau de la position sur la moto, on n'est pas pareil. Là, moi qui viens de sortir de la selle, confort, tout ça, je vais te dire déjà de suite à chaud, là. 1, 2, 3, let's go. Ah, c'est beaucoup plus dur. Ah non, il abuse. Il a fait le Marseille. Il a fait le Marseille et le Brother. Alors tu vois, moi je. Là tu vois j'ai fait une petite accène un peu sympa. Je trouve que je glisse sur la selle. Est-ce que toi t'as trouvé ça ou pas aussi? Non, j'avais pas ce ressenti. J'ai eu l'impression de glisser sur la selle. Le bruit, j'ai l'impression qu'il a un chouïa différent. C'est très bizarre. Fais gaffe, il arrive un peu fort lui. Pas s'il est catalysé, moi non. Alors j'ai l'impression que le train avant il est un peu plus précis que sur la tienne. Ouais, mais beaucoup mieux. Mais tu le sens. Mec, elle est trop agréable. Ah les gars, vraiment, elle est super. Alors c'est vrai que bon, niveau sonore, là on a quasiment rien. Hein, parce que le frérot, il a encore la ligne catalysée. Plein gaz, on y va. Ok, bon, c'est un roadster de 160 chevaux. Il se passe pas grand chose. C'est MT10, on peut rouler en 4. Les gars, je suis en 4. Je suis en 4. C'est trop con les frères. CP4, trop drôle. Bon, c'est vrai que maintenant si on va le comparer avec ce qui se fait sur la concurrence, là maintenant d'avoir un petit peu essayé la moto, très honnêtement, MT10 2023 ou Tchono Factory, franchement je sais pas toi, mais moi c'est Tchono Factory 1000 fois. Mais oui, large. Non mais Tchono frérot, c'est simple. Tchono top 1 roadster 1000. Moi c'est Tchono 1000 fois. Mais moi aussi. Maintenant le millésime 23, je le trouve bien mieux que le millésime 2020, enfin ou 21, parce que du coup la différence entre Andy et celle-là, V2, le millésime V2 a une nette amélioration par rapport à la V1. Mais sur pratiquement tous les points. J'ai l'impression que le rayon de braquage il est un peu plus, non? Je le trouve aussi. Bah regarde, attends. Non. Je pense pas. J'ai l'impression qu'on est plus, non?
Non, je sais pas. Je sais pas. Maintenant, après, donc là, on sort de l'esthétique. La moto est quand même bien plus sympathique, celle-ci, que celle-là. Niveau esthétique, c'est vrai que ce qu'ils ont fait de 16 à 20, c'est très joli. Une gueule, ah ouais. Mais maintenant, en termes de plaisir de conduite, franchement, gros plus sur celle-ci. J'aimerais qu'on essaie de se faire un petit tirage. Ouais. La poignée, je pense que c'est électronique. Je pense aussi. C'est d'accord. Un tirage électrique. Allez, Brother, on se fait un petit tirage, on en a pas fait tous les deux. En première, essaye pas de well, essaye pas de well. Je sais que ça va être dur, il va falloir passer des rapports rapidement. On y va. 3, 2, 1. Après, on va dire que ma moto, je la connais mieux. C'est très dur d'envoyer du gaz avec cette moto en première. Putain, le moteur de 3 qui arrive très très vite. Ce qui est génial avec l'MT10, c'est ça, les gars. C'est que... Hop là. Vous sortez... Ouais, le freinage. Le freinage change cruellement, le freinage. Il y a beaucoup de vent les brosers aujourd'hui. Wow, putain, j'ai failli me prendre un oiseau. Wow, putain, j'ai failli me prendre un oiseau. Oh, tu m'as cagué, mec. Oh, tu m'as cagué, brosers. Oh, je me suis fait dépasser par un jeune MT10 sauvage. Les amis, bien évidemment, en roulant à cette période de l'année, les gars, on a la route pour nous. Trop bien. Il fait pas chaud, il fait pas froid, mais y a personne. Le down, mais ça change tellement une moto. Tu sais que je ne peux plus me passer du shift down. C'est plus possible. Oh, je suis arrivé un peu fort, j'ai légèrement perdu l'avant. Elle s'envoie très bien en courbe en plus. Ah, je t'en 3. Kiki, viens ici, bon Kiki. Ça va, c'était pas trop long? Bon, cool. On fait le petit débrief. Bon, niveau esthétique, y a pas photo. Après, ça reste les goûts et les couleurs. Ça reste les goûts et les couleurs. Mais c'est vrai que celle-ci... Mais franchement, quelqu'un qui me dit esthétique, il préfère ça là... c'est les goûts et les couleurs, enfin bref. Mis à part ça, malgré le fait que ce soit les mêmes motos, tu vois vraiment l'amélioration de partout. Le freinage, il est pas fulgurant, mais ça freine beaucoup plus que ça. Ah ouais. Par contre, je trouve que la baisse, il se déclenche plutôt sur celle-là que sur celle-là. Ouais. Tu l'as remarqué toi aussi ou pas? Ouais. Mais vraiment, c'est tu viens faire un freinage forcé, genre. L'arrière ou l'avant, tu parles? Quoi? Ah ouais, même non. L'avant. Ah, même l'avant? Ouais, l'arrière, j'ai pas fait plus attention à ça. Partie cycle. En fait, tu sens que l'arrière sur celle-là, bah, il est un peu ballottant, sur celle-là beaucoup moins. Et le train avant, il est mieux sur celui-là. C'est pas le train avant de la R1. Mais tu le sens mieux que sur le millésime V1, quoi. Niveau moteur, tu sens légèrement, ça reste la même chose. Par rapport à Andy qui a le tirage avec câble, j'ai l'impression que c'est un tirage électrique, ça, non? C'est un tirage électronique, hein. Ouais, c'est un tirage électronique. Tu sens la différence. Plus mousse. C'est un feeling qui est différent. En 4, tu remets du gaz. Ah oui. Ouais, ça lève, oui, non mais ça c'est un... Si t'as un petit défaut de la route... Tu laisses ça. Mais que ça soit avec l'ancienne ou la nouvelle. Mais la différence, vraiment, tu la sens. T'as peut-être un peu moins de poids à l'avant sur celle-là, tout ça. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. En tout cas, super bécane, franchement. Maintenant, après, ce qui se fait sur la concurrence, tout à l'heure, on en parlait. MT10 ou Tchono Factory 100 fois. Mais toi qui n'as pas essayé le Tchono... Ouais. Ne l'essaye pas. Non mais vraiment, ne l'essaye pas, parce que tu l'as essayé si une si t'as pas envie de changer maintenant encore de moto, n'essaye pas tu vas la vendre. Vraiment, tu vas la vendre. Donc ne l'essaye pas. Mais vraiment, je pense que aujourd'hui, Tchono, c'est... Ah, c'est vraiment le haut du panier. C'est roster devant. C'est vraiment le haut du panier. Niveau rapport qualité-prix, alors oui, c'est plus cher que ça, d'accord. C'est moins fiable, c'est tout ça. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais c'est vrai que maintenant, si tu dis, genre, tu dois rouler une heure avec une moto à un roadster, enlève fiabilité, Tchono. Merci beaucoup pour ce test. Merci, ça fait plaisir. Les frérots, que pensez à venir sur la boutique. Attends, peut-être un réseau sur lequel TikTok, Insta, tu veux qu'on partage, c'est toi qui vas. Voilà, bon, on mettra là. Les frérots, pensez à liker cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Le soutien sur la boutique en attendant. Les réseaux sociaux s'affichent juste en bas. Like, abonnement, les petits commentaires. Merci à vous, à la semaine prochaine. Allez, bisous. À bientôt.